Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un peu une vidéo particulière parce qu'on sort totalement des champs battus puisque nous ne faisons pas une vidéo sur des jeux de course. Du coup, vous avez compris, nous allons jouer à Half-Life sur Dreamcast, une fois n'est pas coutume, parce que c'est un jeu qui devait à la base sortir sur les consoles Dreamcast, enfin à la base, en plus du PC en tout cas. Un jeu que je ne présenterai pas vraiment parce que tout le monde connaît Half-Life. Mais je me suis dit quitte à y jouer une fois dans ma vie, puisque je n'ai jamais joué à un jeu, autant je joue à Counter-Strike maintenant une fois étant plus jeune, autant Half-Life, jamais. On va dire ouais, quelle hérésie, blablabla. C'est vrai, je n'ai jamais joué à Half-Life. Alors je connais un petit peu l'intro, je connais un petit peu le synopsis, j'ai déjà vu les vidéos du jour du grenier, donc voilà. On va faire du coup bouton start. Alors évidemment, on va revenir sur le jeu, parce que sinon ça marchera pas. Écoutez-moi ces bruits, vous allez tout de suite reconnaître du Counter-Strike. Alors, on va voir quand même les options. Donc, on a les options de contrôle, l'audio, on peut rentrer des codes ou des codes d'accès. Alors, j'imagine que ça permet de passer directement à certains niveaux ou peut-être débloquer des choses. On va laisser par défaut. On va revenir en arrière. Voilà. Alors, le retour en arrière est un petit peu long, voilà. Au niveau des contrôles, je vais vous laisser les découvrir sur la Dreamcast, voilà. Donc c'est un peu particulier, alors sincèrement j'ai toujours détesté les FPS sur console, donc ça va une fois de plus être assez horrible pour moi. En plus je vais découvrir en même temps que vous le jeu. Donc on a le Shift, le Fire. Alors Shift je pense que c'est pour ouais, se mettre un petit peu plus bas. Enfin Scrooge c'est pour se mettre totalement à plat ventre. U c'est pour utiliser les items, donc ça sera sur la flèche de droite. Le Jump pour sauter, pareil, j'aurais jamais pu mis là mais c'est pas grave. On peut faire arrière avec toutes les touches en fait. A, B, X, Y sont les touches de mouvement, hormis le look évidemment. Et pour tirer, ce sera la gâchette. Pause, start, jusque-là, rien d'extraordinaire. Alors on a d'autres presets si on veut. Par exemple, je peux move. Look, move. Là, je peux prev, crouch, next. Look, shift, ça reste là. Jump, on peut faire avec triangle. Et le preset C. Left right, ah, ça peut être pas mal le left right pour pouvoir un peu être sur le côté. Par contre, c'est là qu'on tire avec fire, shift, look move, reload, crouch. Ah, je vais tenter ça là. Alors, je sais trop, c'est la pire configuration, mais je vais quand même tester là-dessus. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est qu'en général, on préfère utiliser les gâchettes pour tirer, mais bon. Allez, donc on va revenir en arrière. Alors, c'est très très sommaire. Ça reste, c'est une bêta, évidemment, voire même une alpha. Donc, ne vous attendez pas à tout ce que soit tout. Que tout soit parfait, mais vous pourrez comparer la version PC avec la version Dreamcast. New game, c'est parti. Alors, apprendre à jouer Half-Life, on peut faire Play Half-Life ou Play Blue Shift. Aha! Allez, on va faire apprendre à jouer à Half-Life puisqu'on va débuter ensemble ce jeu. Donc, on est sur votre VGA, donc 640 par 480, donc logiquement. Donc. Grâce à la flèche, je peux voir autour de moi. Je peux sauter avec donc le bouton Y. Normalement, forward, ça va être gauche-droite, ça. Ok. Alors, ça va pas être évident, moi je vous le dis. On avance avec je ne sais pas à quoi on avance. Je peux me crouch. Ouais, c'est bien. Alors, attendez, est-ce que je peux. Je sais même pas comment on avance en fait. Attendez, parce que là je vais sur les côtés. Droite, jusque-là tout va bien. Par contre, ouais, look, ça c'est bon pour se mettre en avant. En vrai. En avant. Alors, on va tout de suite changer les contrôles. On va se remettre par défaut. On va se mettre dans le preset A. Voilà. Et on va faire retour. Et on va écouter ce qu'elle nous dit directement. Voilà. Hop, hop, hop. Begin by stepping into your suit. You can see it suspended up ahead of you. If you see one of these buttons, press it, and I will appear to demonstrate certain moves. Ah oui, donc elle me parle en fait directement. Ouais, j'ai plus que c'était elle qui me parlait. Donc attendez, donc là je fais, voilà, je strafe sur les côtés. Là je peux sauter, j'avance, je recule. Là je peux tirer, alors pour l'instant je peux pas. Et je saute normalement avec cette touche là. Alors ça va être ignoble, mais bon, c'est pas grave. Et je peux utiliser la combinaison. Welcome to the HEV Mark IV Protective System.
for use in hazardous environment conditions. Moving around in your HEV suit can be slightly disorienting at first. Take a moment to familiarize yourself with basic movement, and soon it will fit you like a second skin. I will see you just around the corner. Alors je sais pas si vous entendez bien le son du jeu, à mon avis c'est pas très fort. Je vais peut-être monter un tout petit peu, on va mettre à zéro. On va avancer. Et on peut voir en haut les écritures, voilà les petits logos. Là je cours, là je suis en mode normal. Je sais pas, j'ai une lampe torche peut-être, LR1 ça fait rien. Si j'appuie là, j'ai la lampe torche, regardez, avec l'effet de lumière. Alors je vous dis, on est sur Dreamcast, donc ça sera à comparer avec la version PC. Voilà, donc on est sur Dreamcast. La petite lumière en temps réel, ça c'est pas mal. On est en 99 quand même, je rappelle, enfin 2000, 2001, j'exagère un peu. Donc il faudra se baser par rapport à l'année. Donc je peux utiliser ça, je peux me baisser toujours, je peux sauter, on l'a vu. Je vais peut-être en, voilà, je vais peut-être enlever la. The first move we will practice in the hazard course is basic jumping. You will attempt to get over this set of pipes using only your run and jump commands. It helps to get a running start. Ah, j'ai réussi. Bon, enfin, j'ai réussi, c'était pas super, mais j'ai réussi. On va essayer d'aller un petit peu vite quand même. Note that crouching will automatically shift your suit into stealth mode, minimizing movement noise. Ok, donc là on se baisse. Et là on se relève. J'ai activé la lampe torche pour rien. Je vais me relever. We will combine skills. You will need to jump, duck, and then jump again. Ok, jump and duck again. Ça va être chaud, ça. Ok, bon, c'est pas évident, mais ça reste faisable. Ok, donc un peu. To get into these pipes, you'll want to Ah, voilà. stand right at the mouth of the pipe and continue to press forward. Then jump up, and while you're in mid-air, continue to press jump. It's tricky, but you'll find it comes in handy. Ok. Ok, j'ai compris. En fait, il faut rester appuyé pendant qu'on saute. Alors, c'est pas évident, hein. Il faut que je me mette devant. Voilà, et là, je reste appuyé sur le bouton saut pendant que j'avance. Comme ça, je peux passer les tuyaux. Alors, c'est super calme comme jeu. Il n'y a pas de musique pour le moment. Non, là, je me suis mal mis. On va avancer un peu. J'ai vraiment du mal, hein, je vous dis sincèrement. Ça va pas avoir du beau gameplay, malheureusement. Ah bah du coup on va monter. Et ça charge du coup. Je pense peut-être la seconde partie du tutoriel. Non c'est bon, ça charge juste le niveau. Ok, donc on va passer à la suite. Walk directly into the ladder, look up, and continue moving forward. If you want to come back down, just move backward. Ok, jusque là on est bon. The next three jumps get harder each time, but they are quite possible. Don't be surprised if you miss the last one a time or two. If you can make all three in a continuous run, you are doing well. Ouais, c'est bon, c'est passé. Alors là, j'ai vraiment du mal, c'est vraiment, comment dire, tourner et vraiment diriger en même temps. Non, 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 je fais n'importe quoi. On se remet droit, voilà. Là, voilà, c'est là où je galère. Là, je suis encore en mode crouch. Je vais avancer un peu. On va regarder vers le haut. Et là, je suis en mode crouch encore. C'est vraiment pas évident, hein, de pas changer de mode comme ça. Et là, on saute. Long jumping requires its own charging module, seen here. To activate your long jump, you will have to jump, and while in mid-air, jump again. Once you're up on the platform, press the button and I will demonstrate the move. Okay. Power assist movement activated. Okay, donc on va monter. Oh là là, mon Dieu. Ok.
Ok. Ok, je suis censé faire quoi après? Ah, je suis censé redescendre peut-être? Bon, en tout cas, j'ai réussi. Alors, c'est possible que le jeu n'ait pas pris en compte. Je sais pas, je sais pas. Bon, là, apparemment, il n'y a rien d'autre à faire. Alors, peut-être que le jeu est fini à ce niveau-là, je sais pas, parce qu'ils n'ont pas fini le. On va partir là-dessus pour pas perdre trop de temps. On va faire quitter, pardon. Et on va faire le mode, du coup, le mode Half-Life. On va faire en easy, parce que vraiment je suis un manche, donc ça sera plutôt mieux de faire comme ça. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Ok, il nous montre une part de la température, c'est super. Alors les temps de chargement, vous les avez pas sur PC normalement. Sur Dreamcast, évidemment, on va les avoir parce que ça reste quand même sur un support GDI, enfin CD. Un peu différent que les CD parce qu'il y a plus de contenance, hein, ça peut tenir à peu près 1 giga maximum les GDI. GD-ROM plutôt. On a un joli, joli fusée ou missile, je sais pas. Alors il y a plusieurs versions leakées de la version Dreamcast, donc je sais pas quelle version on utilise réellement, sincèrement. Mais j'espère qu'on pourra voir quand même un petit peu. C'est quand même plutôt joli, enfin joli, j'exagère, mais c'est propre en tout cas, les textures sont propres. Un peu flou, mais si vous jouez sur la version PC, en fait, elles sont pas spécialement moins floues que ça, elles sont plus ou moins équivalentes. C'est dommage que le jeu ne soit pas sorti sur Dreamcast de manière officielle. Je pense que ça aurait été bah, ça aurait été un petit coup de boost aussi, quoi. Oh là là, Nanico en bas. Alors je veux pas sortir, hein. Je veux pas sauter, je veux pas partir du. En tout cas, on a un joli, joli hélicoptère. Moi, je me crouche. J'adore me croucher. On va arriver normalement vers la fin. C'est qu'introduction, c'est pas le plus passionnant. Sauf que ça a bien vieilli maintenant, mais c'était quand même assez impressionnant à l'époque. Une bonne ambiance, en fait, on va dire, dans le jeu. Alors, on est attaché par quoi là? Ah, chargement. Bon, beaucoup de chargement, vous l'aurez compris. Donc, je m'appelle Gordon Freeman. J'ai 27 ans. Ok, MIT, Theoretical Physics. Bah, ça va, on a. Position associée de recherche, ok, tout va bien. Assignement au laboratoire des matériels anormaux. Enfin, désolé pour la traduction. On est niveau 3 de clearance. Et on est classé en tant que ministère dispensaire. Je ne sais pas du tout ce que ça sous-entend. Regardez, on a quelques éléments là qui portent les. Quelques robots qui portent les caisses. Ah, si on reste là pendant 2 heures, est-ce qu'il va faire un tour en rond, est-ce qu'il va la poser sa caisse? Ouais, pour l'instant il a l'air d'aller la mettre au fond. Incroyable, on est à 15 minutes, on a même pas fait la moitié le début du jeu quoi, c'est impressionnant. Mais bon voilà, je vous dis, c'est un petit peu vidéo particulière.
C'est à quel point j'aime bien Dreamcast à Saturn. Voilà, et puis Half-Life reste un jeu quand même exceptionnel, si tout le monde, sinon personne n'attendrait le 3. Donc j'imagine quand même qu'il devait être très très bien pour l'époque. Même si vous avez vu cette scène un milliard de fois, je vous l'accorde, je vais rien vous apprendre aujourd'hui. Je découvre le jeu comme quelqu'un qui aurait découvert le jeu il y a 20 ans. Ah oui, 20 ans, 99, ouais, on y est presque. Bon, elle parle beaucoup, je suis désolé, je vous la coupe un petit peu, mais comme je vous dis, cette intro, vous l'avez vu un milliard de fois, donc... je vais quand même... épargner... Ah, ça devrait être bon, là, on devrait peut-être être arrivé. La musique est terminée. Et ça charge. Ok, donc on va attendre qu'il ait vérifié mon identité. Ça va être compliqué quand même d'aller chez lui, hein, parce que le temps pour sortir déjà du boulot, on a pris 10 minutes. Si le mec il habite sur l'autoroute, il doit faire toute la route pour après arriver juste à l'entrée de l'entreprise, bah, il met 3 quarts d'heure tous les jours pour... il perd 3 quarts d'heure par jour pour rentrer. Donc on était avec accompagné de quelqu'un. Salut mec. Il va évidemment m'ouvrir, on va regarder un petit peu les détails. Ah non, pardon, excuse-moi. Vas-y, ouvre. 4x0 évidemment, on est ultra secure. C'est une entreprise totalement utile évidemment. Ah, il faut attendre qu'il passe j'imagine. Ah non, je suis dans un sas, ok. Je vais me faire décontaminer? Non, même pas. même pas. Ok, donc Gordon goes to work. C'est génial! Vis ma vie de. Vis ma vie de, bah, de travailleur dans une usine. Greetings! Salut! Alors. Est-ce qu'alors on peut interagir avec des trucs? Alors j'ai interagi, mais quand j'ai interagi, je me suis scrooge aussi, donc c'est un peu bizarre. Ok, donc il nous demande de l'écarter de là parce qu'il attend un nouveau message important. Là je me baisse. Alors c'est un peu bizarre parce que je sais pas comment on fait pour... Ah, c'est pour... Ouais alors c'est vraiment à chaque fois mon... Si il veut. Ah oui il est fatigué, il est totalement... il est occupé. Alors oui, on a une petite grille là, je suis sûr que si on scrooge et qu'on va là-dedans, il y a quelque chose. Par contre, je ne sais pas utiliser les trucs. Le R1, ça fait que fire. Et normalement, voilà, ça c'est pour sauter, ça c'est pour se mettre de manière droite. On va aller là. Alors, on a la MATLABS, MATLABS et Personal Facilities, ok. Bon, bien sûr, je sais pas combien de pourcentage que je sais pas quoi est correct. Jusque là, tout va bien. Alors, je pense qu'on va... Alors, les personnages sont plutôt bien faits. Pour l'époque, quand même, c'était plutôt réussi. Ouais, pas mal fait. Alors... J'essaie de reculer. Comment on fait pour ouvrir ? Ah, c'est vraiment particulier, j'ai vraiment du mal. Bon, c'est pas grave. On va faire. On va aller là. Secteur Cooler Mass Facility, je sais pas ce que c'est. Autorité personnelle. Ok, vous savez bien que je peux pas vous laisser rentrer. On a un pack de soins. Bon, je l'ai activé. Mais vous voyez, le problème, c'est quand je l'active, en même temps que j'active, je me baisse en fait. C'est un petit peu dommage. Bon, on peut pas y aller. Est-ce que je peux aller là? Moi, j'y suis déjà allé ici. Du coup, je peux aller où? Concrètement. On va passer là. Excuse me.
Ah, bah oui, mais je suis bête, c'était ça la touche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a des livres. Salut. Ok, on va le raser à la lumière. Voilà. Bah, je m'ennuie un peu en fait, donc j'éteins la lumière. Je suis désolé, ça m'a fait plaisir. Bonne soirée, bonne journée à tous. Par contre, je sais pas du tout comment faire pour ouvrir cette satanée poche. Il va la rallumer quand même, hein. Je crois que là c'est pas mal. Ok, super. Je pense que ça, c'est le truc qu'un million de gens ont fait aussi avant. Bon, comment on fait? On a le tableau perdu des éléments qui est d'ailleurs ultra dégueulasse. Dégueu. Bon, comment je fais pour... Voilà, je passe au milieu de la porte. Bah, ça s'ouvre, c'est génial. Donc du coup, je vais pouvoir rentrer ici. Ah, là, il veut pas. On va revenir. Ah, dans la salle avec les ordinateurs. Ah, Gordon, ça fait plaisir de te revoir. C'est bon de te voir ici. Il va où lui? Alors je vois un petit peu comment c'est fait. Ouais, c'est juste un gif qui c'est juste un gif qui tourne en boucle. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Bon, je sais pas trop ce qu'il y a à faire, hein, sincèrement, comme j'y découvre en même temps. Il me semblait qu'il se passait un truc dans une salle. Bon, bah, on va revenir en arrière. Voilà, là on en vient, on va aller tout droit. Ah, chargement, peut-être qu'il fallait aller là, tout simplement. On va avancer. Hello, how are you today? Ah, it's good to see you. Sorry, Mr. Freeman, I got explicit orders not to let you through without your hazard suit on. Access denied. Salut, tu peux m'ouvrir l'accès, s'il te plaît? S'il te plaît, dis oui. Ah, ok. Tu feras ça plus tard. Oui, je sais que tu veux. Ah, je suis sauté dans la chambre. Mais quelle chambre? No smoking area. Oh, regardez! Je viens d'une autre pièce. Attends, est-ce qu'on peut faire comme dans Shenmue? Yeah! Cool, on a pu prendre une cadette, alors elle a disparu instantanément, c'est dommage. Bon, ils sont en train de bouffer, ils sont en salle de poste, c'est bien, ils font leur vie. On peut rien faire avec, ok. Peut-être qu'il faut aller là-bas. Ah, les dortoirs, bah je pense que je dois mettre ma combinaison. Alors, Casali, boum. Coomer, non Coomer, Coomer, on arrive. Alors je pense qu'il faut que j'aille quelque part. Je pense que je dois avoir ma combi quelque part. Allez, tu fais Freeman. Yeah! Regardez, j'ai mon bureau. Enfin, j'ai mon bureau. Dors-toi. Il y a un truc par terre. Alors comment je le prends? Comment je le prends? Il y a un truc qui s'appelait Use. Ok, j'ai pas compris. Bon, en tout cas, j'ai un dortoir à mon nom. Est-ce que je suis toujours le dortoir de Bailey? Il va être content. Non, j'ai pas l'impression. Ça fait rien. Ok. On va aller au shot? Ok. Push, ça fait rien. J'ai l'impression de découvrir un jeu pour la première fois de ma vie. Enfin, je veux dire, un jeu vidéo, quoi. Ok, bah, je vais te leave alone, mais je sais pas quoi faire. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Il y a bien un truc à faire ici. Si on nous permet d'ouvrir ça, c'est quand même quelque chose à faire.
Alors. As I expected. Je sais pas. Comment j'utilise ça? Comment je fais? Ça sort rien. Alors on va revoir les options quand même parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Use c'est droite normalement. Look on l'a vu, shift on l'a vu. Use c'est ouais c'est droite, ok on a compris. Back. Du coup. Bon ça marche pas. En fait j'ai compris le use il est pas c'est pas en bas c'est à droite. On a une salle. Mais on en vient, non? Ah, mais j'en viens de cette salle. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où on pourrait aller? Ah, c'était ici. Ah, ben voilà, je suis trop bête en fait, elle est juste là. Can you open my. Ok, je vais mettre là. Non, peut-être que je mette là alors. Bah, ça me couche quand même hein, quand je fais ça. Je sais pas ce qui se passe. Il y a pas de son. Je vais peut-être lui parler. Excuse-moi, Gordon, but I'm rather busy now. Ah, faut que j'appuie sur le bouton. Voilà, parfait. Donc on va avancer. Et on va récupérer notre armure. To the HEV Mark 4 protective system for use in hazardous environment conditions. High impact reactive. Oh, on aurait une petite musique sympa. Ça, c'est cool. Allez. Allez, le jeu va charger son petit script pour me dire quoi faire. Petite musique techno. Quelques petits glitches d'ailleurs. Attendez, là j'en viens. Donc normalement, pas par là. C'est sympa la musique, franchement j'aime bien. Je suis très fan de ce genre de musique plutôt simpliste, on va dire. Alors là j'en viens. Maintenant, faut que je retrouve la zone où j'étais interdit tout à l'heure, mais normalement je devrais pouvoir y aller bientôt. Non, c'est pas là, ok. Bah ça va être l'autre endroit. Allez, on va avancer. C'est peut-être en bas alors. Alors du coup, je reviens, je repars. Je comprends pas trop. Non, là on en vient. On va aller vers là. J'aime bien, je fais que rusher depuis tout à l'heure, enfin je fais que courir. Ok. Donc là il scanne. Voilà, donc là on est enfin rentré. 29 minutes pour rentrer dans la première pièce. Alors regardez, on a quand même quelques petits posters. Working as a team. On dirait la propagande d'entreprise, c'est magnifique. Oh, ah c'est pas mal, c'est en 3 dimensions que ça change, regardez. Oh, évidemment. Évidemment, drapeau américain. Alors, attendez. Ça me crouche avec, mais... Voilà, c'est pas grave. Alors, normalement, je pourrais jouer avec le clavier et la souris. Tout simplement parce que la Dreamcast avait un clavier et une souris compatibles. D'ailleurs, si vous avez vu une vidéo sur mes collections de jeux et de consoles, vous saurez que j'ai un clavier Dreamcast. Que d'ailleurs, j'aurais pu utiliser maintenant. Je suis un peu bête, mais c'est un peu con, mais bon... normalement, on peut jouer avec la souris et le clavier, du coup, le jeu est normalement beaucoup plus jouable qu'à la manette. Alors, je peux aller là, mais je peux aussi descendre. Attendez. Je vais le tenter, ça. Qu'est-ce qui se passe si je vais là? Bon, absolument rien. C'était vraiment pour le test. On peut rien faire. Ok, on va remonter. Regarde la vitesse à laquelle il monte les échelles, c'est un homme incroyable. Et là, si je remonte par là... Bah, j'essaie de sortir battu un petit peu, parce que sinon vous allez me dire, ouais...
On a déjà vu ça 1000 fois. Ah mais d'accord, mais en fait je suis trop bête. Je suis juste revenu au point de départ quoi. Enfin, oh là là, quel boulet. Bon allez, c'est pas grave, on descend et on va aller voir le premier niveau, enfin le premier niveau, là où il va nous emmener. Regardez ces petits effets et de lumière. Oh bah, je peux rentrer. Alors apparemment c'est toxique, donc il va falloir faire attention. Je peux pas aller là-haut. Pas y aller. Alors le jeu est ultra fluide, hein. Par contre vous l'avez compris, là franchement on est à... Enfin, c'est 60 FPS constant, j'allais dire, vous le verrez pas forcément parce que c'est enregistré, mais le jeu est vraiment vraiment super fluide. Même si des fois il y a petites saccades, c'est quand même... Ah, Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we need the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Ok, donc on vous attend dans la chambre de test. Regardez à quoi elle ressemble. C'est ce petit truc ici. On va le suivre. Hey bro! M'en fous? J'y vais quand même? Ah, le fameux passage. Où effectivement, bon bah c'est très bizarre, ça a cassé la moitié du truc. Alors les mecs c'est cool parce qu'ils perdent la moitié de leur truc, enfin une partie de leur ordinateur, mais on se dit bon on va quand même continuer la séance, hein, c'est pas grave. Je veux dire qu'est-ce qui pourra arriver. Donc là on est redescendu. C'est un vrai labyrinthe hein. Ok, chargement. On a combien? 33 minutes de jeu déjà, on a rien fait. Je n'ai même pas encore touché une arme. Rien du tout. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We have assured the administrator that nothing will go wrong. Ah, yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. J'aime parce qu'ils vont lancer la procédure et ils font comme d'habitude, par contre c'est peut-être un peu plus dangereux que d'habitude. L'autre il est ultra... ouais mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, il a l'habitude, il sait faire, c'est un professionnel. Et l'autre est limite en train de flipper parce qu'apparemment ça va pas forcément être le cas. Alors... je vais mettre en plein milieu, bah oui c'est une super bonne idée. Alors regardez ce qu'il y a en dessous, voilà, si vous voulez savoir ce qu'il y avait en dessous. Ouais. Everything seems to be in order. Yes, everything is in order, ok, tout va bien. All right, Gordon, your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Normalement, il doit y avoir quelque chose qui va arriver. Gordon, are you not hearing me? Climb up and start the rotors, please. Alors, il me demande d'aller à une place, mais j'ai pas compris.
Alors, l'ambiance est quand même assez énorme. Take it from here. Power to stage one emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage two emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy in... Well, no, it's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. I've just been informed that the sample is ready, Gordon. It should be coming up to you any moment now. Look to the delivery system for your specimen. Ok, donc il est apparu. Bon, faut que je le pousse, quoi. Attempting shutdown. It's not shutting down. It's not. Ouais, il faut que j'arrive à monter là. Hein. Si j'arrive pas à monter, je vais mourir. Oula. J'ai pris un point de vie. Je suis passé à 99. Oh, regardez! Je suis dans... Je sais pas où je suis. Wow, les petits flashs et tout. Ah, c'est... ça donne envie! Salut! Comment tu vas, toi? Ok. Bon, on avait un petit peu l'apocalypse pendant notre choc émotionnel. Gordon teach physics! Alors effectivement, ça s'est pas spécialement bien passé apparemment, hein, je vais tout péter. Alors on va sauter un peu, je sais pas du tout. Ah, on va passer par là. Ouais, le maniement, c'est vraiment une infamité, j'ai vraiment trop de mal. Donc on va remonter. Ah, regardez, non, il y a un truc ouvert là-bas, on va essayer d'aller peut-être. On va quand même découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce que ça marche toujours ça? Bon, en tout cas, on va toujours passer par là, donc ça ne sert à rien. Par contre, est-ce qu'il y avait un truc à faire sur lui? Bon, rien du tout. On va remonter, on va passer par là. Et on va remonter ici. Hop. Alors, je sais pas s'il y a encore... Hey, je suis retombé. Ouh, je me suis fait mal en plus. Là, il y a tout qui bouge. Je sais pas si on peut passer par là. Là, il y a rien. Bon, on va repasser au même endroit. On va redescendre. Apparemment, c'est pas par ici qu'il faut passer. Tant des bruits, c'est pas super sympa, hein, franchement. Non, mais il faut que j'aille là alors. Hein.
Bon, je sais pas du tout. Ah, c'est passé. Ok. Excusez-moi. Ah oui, elle est totalement démontée. Bon, on va passer par... Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Bon, apparemment, ça s'est pas super bien passé. Il y a quoi? Il y a un truc de mini-kit. On en a pris un. On va utiliser, non? Enfin, je sais pas comment on peut l'utiliser, finalement. Allez, on va passer par là. Oui. Ouh là là, il y a tout ce que c'est. Ok. Il a pas l'air très bien en point. Est-ce qu'on peut lui parler d'ailleurs? Oui, il est mort. Non, il a l'air pas super en forme. Voilà, ma torche, elle est complètement morte. Du coup, j'attends qu'elle se recharge. Vous avez la petite barre en haut à droite, la barre de torche. Ça permet de recharger quand on l'utilise pas. Elle se recharge automatiquement, mais c'est là qu'il y a une limite dans l'utilisation. On a combien? On a 41 minutes. Why didn't they listen? We tried to warn them. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create. Ah oui, Nank s'est cassé. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our clones are out. Please get to the surface as soon as you can and let someone know. Bien sûr, là c'est sympa. C'est Mid-Eater, c'est... Alors, je peux rien faire avec l'arrière pour le moment, on va avancer un peu. Là je peux passer. Enfin, je sais pas si je peux utiliser le truc, non il est mort, on peut pas passer par là. Donc on va passer par ici. Et ben non, là on en vient. Comment on va faire? Je peux crouch. Regardez, je reste bloqué. Là, je suis en mode crouch. J'ai l'impression d'être un peu en hauteur, c'est bizarre. Non, bah écoutez, ça marche pas. Au moins, il faille passer au-dessus. Non, il n'y a rien. On va enlever la lampe torche. Pourquoi je reste ici? Parce que je sais pas quoi faire, hein, tout simplement. Bon, on va être bloqué, j'ai l'impression. Là, je peux rien faire. Si je fais use, ça marche pas. On va revenir là. On va redescendre quand même, ça serait bizarre. J'ai là. Bon, bah à mon avis, c'était pas ici. À moins qu'il y ait. Un truc que je n'ai pas vu, peut-être en haut. Dans le couloir. Ouais, ça rame un petit peu par contre maintenant. Regardez, là, la lumière elle a vraiment du mal. L'optimisation est pas top. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Est-ce que c'est un script à engager ou pas? Bon, il va pas se passer grand-chose. Bon, bah écoutez, on va pas rester bêtement bloqué, je vais juste faire une tentative un petit peu en l'autre côté. S'il se passe rien, on va se laisser là-dessus. Même un truc en haut là, ça m'étonne un peu. Ouais, c'est juste un pylône, et là il y a que dalle. Bon, ok. Allez, on va remonter, tant pis, si j'y arrive évidemment. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des choses électriques qui marchent toujours. J'ai réactivé la torche. Bon, il fait rien. Comment on va faire? Là, je suis bloqué. Hein. On peut pas passer. Faut que je prenne le corps. Écoutez, je suis bloqué. Bah écoutez, je suis bloqué comme quelqu'un qui aurait découvert le jeu la première fois. C'était donc Half-Life sur ce Dreamcast. Désolé, il ne sera pas passé grand chose. Mais bon, au moins, vous aurez pu peut-être faire un petit peu la comparaison avec la version PC. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!